chère Élise, je suis bien arrivé au dépôt. On n'a pas chômé. Les uniformes, les sacs, les fusils, les balles. Ensuite, examen médical, le docteur m'a enlevé mes lunettes, j'y voyais plus rien du tout. Cet après-midi, exercice, tu vois d'ici le tableau, une compagnie qui n'a pas manœuvré ensemble depuis 9 ans. Enfin, j'ai retrouvé des camarades, Victor Bergogne, Gaston Chabrier, puis Henri Pinson, qu'on appelait le Colibri, rapport à son nom, et qui chantait tout le temps. Il a 2 enfants, comme nous. Tout ça a été si soudain. Les cloches à toutes volées, le village qui s'agite, et le crieur public qui hurle son papier. C'est la guerre ! La guerre ? Mais quelle guerre ? Un baiser, tu traverses le jardin, un dernier petit geste, et te voilà parti. On s'est entraîné au tir. J'ai très très bien travaillé avec mes yeux sur les 20 balles qu'on m'a donné à tirer, pas une seule dans la cible. Après, nous avons pu aller en ville, nous nous sommes installés à une terrasse avec Gaston, Victor et Colibri. Ah, le client était bien gentil. Il nous tapait sur l'épaule, il nous offrait les tournées en chantant la Marseillaise. Tu peux pas t'imaginer combien il y a de patriotisme au fond des verres de vin. J'ai lu les journaux pour essayer de comprendre. Quelle histoire compliquée. Après tout, ça fait des années que la Serbie est fâchée avec l'Autriche. Pourquoi la France est-elle concernée? Pourquoi? Apparemment, c'est comme un jeu de domino. Tu fais tomber le premier, tous les autres suivent. Le premier, c'est l'Autriche. Elle déclare la guerre à la Serbie. Seulement, la Russie protège la Serbie. Et voilà, la Russie en guerre. Seulement, l'Allemagne protège l'Autriche. Et voilà, l'Allemagne en guerre. Et la France est solidaire de la Russie. Et voilà, la France en guerre. Mais à mon avis, on ne va pas se battre vraiment. Nous avons rencontré Madame Aubert au marché. Tu te rends compte? Elle a 3 de ses fils à l'armée. Elle aimerait que tu lui envoies de leurs nouvelles, si tu en as. Les frères Aubert sont déjà partis. Moi, je partirai demain. L'Allemagne a envahi la Belgique. Va falloir nous défendre. Ah oui, je leur ai rappelé. Dites, moi, j'y vois rien sans mes lunettes. Hein. On m'a répondu, c'est rien, l'instituteur. T'auras qu'à tirer dans le tas. La gendarmerie est venue au village. Ils ont demandé à voir les chevaux. Arthur a dû conduire Météor. Il me suivait à petits pas en tirant sur la bride et regardait son cheval avec des yeux humides. Heureusement, les gendarmes n'ont pas trouvé Météor assez solide. Mais bon, pas à une moindre chance. Ils ont emporté son cheval de trait. Je ne reconnaissais plus ton père. Lui, d'ordinaire, c'est tranquille. Il insultait les gendarmes et le maire qui lui expliquait que c'était pour la France. Arthur a été adorable. Tiens, mon pas, Météor va t'aider. Ah, il n'y a pas à dire, c'est quelque chose, une foule qui t'acclame. Quel enthousiasme, des fleurs, des drapeaux, des hurrahs, des bravos et le soleil par-dessus tout ça, c'est beau. C'est beau de voir un pays se lever tout entier. Camille et Arthur t'envoient une valise de baisers pour le voyage. Ah, nous sommes dans un wagon de première classe, assis sur une banquette moelleuse. Non, je plaisante. On est assis dans un wagon à bestiaux, sur nos sacs. On est un peu serré, mais nos figures sont plaisantes à voir. On dirait une colonie en vacances. Des plaisanteries, des chansons, et roulez, carrosse. Non, il y a eu quand même un petit moment de surprise. Une petite dispute. Nous avons avec nous un jeune type. Étienne, il s'appelle, il fait l'université, il est très très intelligent, mais il n'est pas très adroit. À un moment du voyage, il a dit, la guerre c'est absurde. Et là, Victor a explosé, mais ils sont un peu patriotes et gonflés, on nous attaque. Qu'est-ce que tu veux faire, te laisser faire, si tu ne te défends pas? Ils iront dans ton village, ils vont rire ta femme, ta mère et tes enfants. Non, non, c'est pas ce que je dis, il répond Étienne. Mais moi j'ai vécu en Allemagne pendant mes études. Je peux te dire que les Allemands, ils sont un peu plus raffinés. Là, Victor est devenu foudrage. Il a attrapé Étienne par le col et l'a plaqué contre la paroi du wagon. Pour la paix de mon mère, on va leur foutre une sacrée danse. Et dans 6 semaines, on prend l'apéro à Berlin. Et t'as dit pas de défiler sans toi, c'est moi qui ferai le récompte. Le colibri et moi,
le silence s'est installé dans le wagon. Tout le monde réfléchissait. Oh, ça ne me réjouit pas plus que ça d'aller là-bas, mais enfin, il faut ce qu'il faut. Et puis, si je le fais, c'est pour te protéger, Élise, pour protéger Camille et Arthur. Je suis allée au château pour acheter du bois. Nous étions dans l'allée quand la voiture de la comtesse est arrivée. André tenait le volant. Tu ne reconnaîtrais pas ? C'est un immense gaillard de 21 ans, solide comme un chêne. Il se souvient très bien de toi et de comment tu l'as aidé autrefois. Il m'a demandé tes nouvelles. Je lui ai dit que tu étais mobilisée. Et comme je m'étonnais qu'il ne le soit pas, la comtesse m'a interrompue. Vous savez, André a été très malade l'année dernière. Il se rendra au front lorsqu'il sera complètement guéri. Nous sommes en Belgique. La ville s'appelle Dinan, comme la ville bretonne, mais avec un T au bout. Dinan avec un T. Oui, on a vu où c'était. Je suis passée à l'école prendre la carte. Jusqu'ici, la guerre, c'est un pique-nique. Je vois plein de choses que j'avais jamais vues. C'est très, très intéressant. Et puis, on s'amuse bien avec les copains. On rigole vraiment. Le gouvernement nous offre un chic voyage. La moisson est sauvée. Tout le village avait des problèmes pour la récolte. Alors le maire a proposé qu'on s'entraide. Debout ! Remplaçons sur le champ de travail ceux qui sont partis sur le champ de bataille. Tout le monde a participé. Les vieillards, les femmes, même les enfants. Ils sont charmants, les Belges. Ils nous offrent de la bière et des galettes. Et puis les nouvelles qui nous parviennent sont parfaites. Les Allemands sont en beurre fondu. À ce qui paraît, il suffit de les attaquer à 6 contre 40. Retiens bien ça, ma petite Élise. D'ici les vendanges, je serai de retour à la maison pour souper. Louise, ta sœur, vient d'arriver de Reims. Ton filleul Félicien est là aussi. Louise dit que les Boches entrent en France avec une facilité déconcertante. Il serait impossible de leur résister. Je lui ai montré ta lettre, mais elle a haussé les épaules. Oh, nous avons vécu un grand moment. Un sergent nous a rassemblés pour nous exhorter. Il avait composé une petite conférence morale de tout premier ordre. En avant, en avant, en avant ! C'est vrai, nous avons tout abandonné pour protéger nos familles. C'est vrai que nous devons nous sacrifier pour la France. Mais nous ne sommes pas les premiers. Avant nous, il y a eu le Vazagé. Et avant nous, il y a les Vazagitorix. Vazagitorix qui, au lieu de se rendre, a préféré mourir sous les capots. Je t'assure, elle est authentique. Pour en revenir à ta sœur, elle est sans nouvelles de Paul. Il est parti à la même date que toi. Elle espère qu'il est prisonnier. Je vais me renseigner au sujet de Paul. Peut-être que je parviendrai à apprendre quelque chose. Aujourd'hui, Camille entre en première année. Elle aurait été dans la classe. Monsieur Minard a rassemblé tout le monde chez lui, les deux classes. Tu n'auras pas de suppléant. Camille est adorable avec son petit cartable et ses couettes. J'irai à Clermont pour lui faire tirer le portrait. En avant, en avant, en avant, tu parles. En arrière, oui, les Boches sont en train de tout avaler. Liège, Bruxelles, Anvers, Valenciennes, Lille. Oh, ma sœur Louise a bien fait de quitter Reims parce que nous, on recule, mais tu imagines si on perdait Paris? Jean, je regrette de devoir te l'annoncer par courrier, mais le docteur est formel. Tu vas être papa pour la 3e fois. Oh, c'est pas vrai. Félicitations. As-tu déjà réfléchi à un prénom? Un prénom? Si c'est un garçon, Baptiste comme mon père. Oui. Et si c'est une fille, Jeanne comme toi. Ah, j'ai reçu le baptême du feu. J'ai jamais entendu un vacarme pareil, un véritable enfer. Enfin, je veux bien jusqu'ici, je n'ai encore couru aucun risque. Louise a trouvé du travail. Figure-toi que la servante de la comtesse a quitté le château du jour au lendemain. Louise est contente. Elle commence demain.
Ben, pour la première fois, les Allemands reculent. La lutte risque d'être un peu plus longue que prévu, mais nous ne désespérons pas de pouvoir en finir avant Noël. Tes lettres arrivent au compte-gouttes et dans le désordre. Mais nous allons tous les jours à la mairie pour voir si certains billets te concernent. Ils affichent des petites notes autour de la porte. Et puis, il y a aussi le café. Le café? Oui, le café. Ce petit bistrot où une femme n'aurait jamais mis les pieds. Tu ne l'as jamais vu si propre. Le patron est parti au front, alors la patronne tient la boutique. La carte et les horaires ont un peu changé. Elle a remplacé le vin rouge par des tisanes. Et elle ouvre seulement à la sortie de l'école. Et crois-moi, ça marche. Dans notre bistrot? Ça n'a rien à voir avec ce que vous y faites. On essaie de deviner où vous êtes. On discute le temps que tout ça va durer. On lit les journaux. Et puis, j'ai mis en place un petit atelier. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas écrire ou qui croient ne pas savoir. Alors nous écrivons ensemble. Ce qu'il y a de beau, c'est ce torrent d'amour qui monte vers vous. Les lettres de Madame Hubert à ses fils sont les plus touchantes. Elle n'a pas besoin de mon aide, mais elle vient tout de même pour être avec nous. Nous avons passé la messe de minuit dans une église bien trop petite. Notre colibri Henri a chanté le minuit chrétien et puis les Belges. En chœur, magnifique. En sortant, j'ai salué des soldats anglais, je leur ai lancé « Have a good Christmas !» Ils m'ont répondu « No, no, not good !» C'était le mot de la soirée. Christmas. Rien de plus. Tu n'as jamais aimé la messe, mais je t'assure que celle que nous avons eue ici t'aurait bouleversée. Le curé a cité tous les hommes partis au combat et tout le monde a pleuré. Sauf André, il était au premier rang à côté de la comtesse. Il se retournait sans arrêt vers Louise. Qu'est-ce qu'il fait là pendant que vous êtes au front? Nous allons pouvoir rentrer en France. Les Anglais vont venir nous remplacer de ce côté-ci. Peut-être que je pourrai bientôt venir vous voir. Papa, nous te souhaitons une très heureuse année 1915 et beaucoup de courage. C'est de la part de Camille. Elle a voulu tout écrire elle-même. Elle a aussi fait le dessin. C'est nous quatre. Et dans mon ventre, elle a dessiné la petite Jeanne. Et je crois que Camille préférait une petite sœur. Bonne année 1915 à tous. On les aura. Enfin, on les a, ils sont là juste en face. Pourrais-tu m'envoyer aussi un livre, s'il te plaît, et aussi un peu d'argent? On ne nous donne que peu de vin. Tu bois? Je t'expliquerai. Mais tu ne supportes pas l'alcool? Ça me réchauffe. Pour le moment, nous ne mangeons pas très bien. Et moi, quand je travaille, j'ai faim. Et pour le moment, on n'arrête pas de creuser. On creuse des trous et des tranchées. Et du matin jusqu'au soir. J'ai mis un saucisson et du pain avec ton livre, L'Odyssée. Et un billet de 20 francs au chapitre du retour d'Ulysse. Nous sommes dans un coin, il y a plein de gibier, des perdrix, des lapins, des pigeons rabiés. Nous avons décidé d'aller chasser avec Victor et Gaston. Et il y a quelques jours, nous avons fristouillé à un banquet avec un lapin que nous avions pris. Henri avait reçu du fromage, Victor a apporté le vin et moi j'ai partagé le pain et le saucisson que tu m'avais envoyé. Nous étions dans un vieux café de village complètement démoli. Il restait en plein milieu qu'un piano tout à fait désaccordé, mais c'est pas ça qui a empêché notre colibri, notre Henri de chanter. La donna mobile, qua più mal vento, muta, stento, e di pensiero. Et à la fin de la soirée, nous avons eu droit à un magnifique feu d'artifice entièrement financé par les Allemands. Nous venons d'apprendre une terrible nouvelle. Clément Aubert est mort. 20 ans.
Quand Madame Aubert me l'a annoncé, je ne pouvais pas le croire. Mort ? Comment ? Madame Aubert a reçu un carton d'à peine 3 mots. Cela dit, elle est d'une dignité admirable. Le curé a fait une belle messe et le maire a donné un splendide discours sur le sens du sacrifice. Nous étions plus de 300. Tout de même, c'est quelque chose de se recueillir devant un cercueil vide. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé? On dormait dans une grange et tout à coup on entend la voix du lieutenant qui crie « Chabrier, Gaston Chabrier, scellez-moi mon cheval !» Mais il fait nuit noire, on voit rien, rien du tout. Pas d'allumettes, pas de bougies. Alors voilà, Gaston à 4 pattes en train de chercher la selle, il tombe dessus, il s'approche du cheval et il balance la selle par-dessus l'animal. Et tout à coup, on entend un mugissement. Gaston venait de sceller une vache. Le cheval était juste derrière. On n'a pas arrêté, on n'a plus dormi. On imaginait le lieutenant arrivant à l'état-major en vache. On a ri. Il y en a un qui voulait s'endormir, un autre partait d'un éclat de rire, et ça toute la nuit. Il neige. Le facteur ne passe plus qu'un jour sur 3. Ne t'étonne pas si tu reçois moins de nouvelles. Ben maintenant, on ne rigole plus. Nous sommes ce qu'on appelle au front. Heureusement que les Boches ont l'art de nous tirer par-dessus la tête. J'ai rencontré des camarades qui revenaient de la première ligne. Il y en a un qui m'a fait... C'est la même chose que la chasse au lapin, sauf qu'on met des Allemands à la place des lapins. Joyeux anniversaire, Jean. Ben pour un anniversaire, c'était gratiné. On nous a réveillés à l'aube. Et plus on s'éloignait du cantonnement, plus les villages étaient en ruine. Alors cette fois-ci, on ne marchait plus en désordre, mais on était bien les uns derrière les autres, bien en rang, à se serrer, à se coller au talus. Le lieutenant serait passé en vache à ce moment-là, personne n'aurait rigolé. On continue, on traverse le dernier village et on arrive au boyau, aux tranchées. Nous marchons 3 kilomètres encore, nous arrivons aux structures de deuxième classe, là, aux fortifications. Une partie du peloton fait halte, mais nous continuons, nous allons jusqu'au dernier boyau, la seule vraie tranchée, la tranchée 5 étoiles, celle avec vue sur les Boches. Et alors, imagine un fossé de 80 cm de large avec des abris fabriqués en tôle ondulée. Et sur la partie qui fait face aux Allemands, il y a des postes de tir protégés par des sables. Et entre eux et nous, une immense toile d'araignée de fils de fer barbelés. Et nous sommes ici pour 6 jours. Ensuite, on échangera avec ceux qu'on a laissés en deuxième ligne. Arthur et Camille demandent si tu pourrais leur envoyer une photo. Une photo de qui? De quoi? De toi, de tes copains, de la tranchée. Les photographies sont interdites, il n'est pas question d'aller en ville pour en faire faire. J'ai un camarade qui l'a fait, il s'est ramassé 8 jours de prison. Mais en attendant, je vais vous faire quelques croquis et je vais vous tracer un plan de la tranchée. Comment ça se passe à l'école? J'ai un peu plus de travail que d'habitude. Monsieur Minard me délègue les cas difficiles. Mais j'essaie de ne pas exagérer, parce que la grossesse commence à me fatiguer. Oh, et Élise, je viens d'apprendre que les pères de 6 enfants allaient être renvoyés du front. Tu ne serais pas enceinte de 4 couplets, par exemple. Camille a reçu son premier bulletin. Ça va très bien. Monsieur Minard est très content. La vraie fille de son père. Et Arthur? Arthur, quelques petits soucis avec la division. Retour en deuxième ligne. Nous sommes épuisés.
Je crois que je vais dormir un siècle. Est-ce que tu vas pouvoir venir nous voir? Tu sais, Sébastien et Émile Aubert ont eu une permission. Ils ont pu rendre visite à leur mère. Tu penses, si je l'ai demandé, mais crois-moi, je ne suis pas le seul. Sébastien et Émile ont pu la voir parce que leur frère est mort chez nous. Gaston a aussi obtenu une permission parce qu'il a de gros soucis avec son affaire. Enfin, au dos de cette lettre, une lettre pour Arthur, un problème pour Arthur, mon cher fils. Un obus coûte 3000 francs. Un soldat gagne 80 centimes par jour. Combien de jours ce soldat doit-il rester vivant pour valoir un obus? « 3 750 jours. Pour coûter le même prix qu'un obus, un soldat doit rester au front un peu plus de 10 ans. »« Parfait. Gaston est rentré de permission. Il s'est tu pendant 3 jours et puis, comme on insistait, « Allez, Gaston, Gaston !» Il a explosé. Il a piqué de ses colères. « Ne me parlez plus de permission, hein, vous autres. C'est une sacrée salope. » Une putain de sacrée salope. Pendant 3 mois, je me crève. À la guerre, elle fait la noce à l'arrière. Elle a fait sauter la pièce, mon affaire, et par terre, tout ça pour s'acheter des manteaux, des robes, des chapeaux. Ça ne lui suffit pas que je sois déjà brisé par la guerre. Je préférerais autant qu'elle crève et qu'elle crève, salope. Ça nous a cassé le moral. Chacun pensait à... Ma chère Élise. C'était bon de sentir ton odeur, mes doigts dans les boucles brunes de tes cheveux, ton cou si mince, tes mains si soignées. Comme Arthur a grandi, comme Camille écrit bien, comme la petite Jeanne sourit. Et puis l'école et le visage débonnaire de Monsieur Minard, et tous mes petits élèves qui me regardaient si respectueusement. Et la moisson future dans les champs de mon père et le village tout entier, occupé à ses affaires habituelles. Et comme c'était beau, comme c'était beau. As-tu vu que la Roumanie et l'Italie rentrent dans la guerre? Nous espérons que cela abrégera vos souffrances. Au café, on n'y voit plus clair du tout. Certains journaux disent que vous avancez et d'autres que vous reculez. En tout cas, on a attaqué, comment décrire, c'était l'enfer. Oh. C'était épouvantable, je n'ai jamais eu une peur aussi atroce. Le cœur me sautait dans la poitrine un peu comme un crapaud dans une valise. Tu sors de la tranchée, tu marches pas, tu cours pas. Tu fais des bonds et puis tu te couches. Tu te relèves, tu te recouches, tu te bondis. Ben pour le nous, pour le coup c'est le nous, le lapin. Oh, Ellie, je ne vais pas te raconter tout ce que j'ai vu, disons que je suis atteinte. On ne peut pas dire la même chose de tout le monde. Victor a été blessé et Gaston est mort. Il s'est écroulé juste à côté de moi. J'aurais été 1 mètre plus à droite que j'étais à sa place. Je ne peux pas m'empêcher de penser à sa colère quand il est rentré de permission. Je me dis que, grâce à vous, je suis là. Je vis. Oui, si je ne vous avais pas, peut-être que je me dirais, bah, puisque je suis tout seul, peu m'importe si... C'est grâce à vous que je vis. Je sais qu'il y a quelque part dans ce monde des êtres que j'aime et je veux revenir auprès d'eux. Je crois que tant que je saurai votre amour, aucune balle ne m'atteindra. Ah, un problème pour Arthur. Mon fils... Un régiment compte 200 hommes. Après 100 jours, 150 hommes sont hors de combat. Combien de temps faudra-t-il pour que la compagnie entière disparaisse ?
133 jours et 8 heures. Bien. Monsieur Minard a été rappelé hier. Il faut que les choses aillent bien mal si on commence à rappeler les gens de l'âge de Minard. Le problème, c'est que nous n'avons plus d'instituteur. Le maire est venu me voir et il prétend que je suis la seule à pouvoir vous remplacer. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que j'en suis capable? Mais bien sûr, tu seras parfaite. Et si tu veux, je t'aiderai, moi aussi, comme ça, ça m'occupera. Et Camille a réussi. Arthur aussi. Il a eu des divisions. Grâce à l'entraînement que tu lui as donné, il s'en est bien sorti. Bravo. Très, très bien. Et pour toi aussi, Camille, bravo. Ah, surprise. Vous me réclamez une photo? Là, dans la lettre, j'en ai glissé une que nous avons réussi à faire faire. Là, le grand costaud à l'avant-plan, avec ses tatouages. C'est Victor. Debout, derrière, c'est Étienne, l'intellectuel. Au milieu, c'est toi. Et à droite, le petit, c'est Henri Pinson, notre colibri. Nous t'envoyons une photo à notre tour. Nous sommes allés présenter Jeanne à ma mère. Elle voulait absolument un portrait de famille. À la photo m'a bien fait plaisir. Tes parents sont très bien. Alors, qu'est-ce que mes enfants sont beaux. À croquer, à manger. Et toi, tu... Mon Élise, tu es bien tentante. J'ai envie de t'embrasser. J'ai repris la classe. Désolée, je n'ai pas beaucoup de temps. Ici, pourtant, c'est pas le temps qui manque. Dire que nous pensions en avoir fini pour Noël de l'année dernière, et voilà l'hiver qui arrive déjà. Nous avons organisé un nouvel atelier au café. Nous vous avons tricoté des chaussettes. Tu les trouveras dans le colis qui accompagne cette lettre. Hein? Nous avons mis en commun toutes les pelotes de laine qui nous restaient. Ah, oui. Disons que c'est original. Mais enfin, pourquoi autant de paix? Enfin, toute la section en a mis. Et maintenant, le lieutenant n'a plus de mal pour reconnaître ses hommes. Si nous avons des chaussettes multicolores, c'est que nous faisons partie de sa section. Je t'assure, on dirait une équipe de football. Ah, j'ai été convoqué par le colonel. C'était un gars du Nord, un ch'ti. Chantal-Martin, hein? Quelque part, tu fabriques des cochettes. Des cochettes. Et... Ah, des chaussettes? Oui, mon colonel, ce sont des chaussettes auvergnates. Il fait aussi chaud que dans un volcan. Parfait, monté, Chantal-Martin. Et là-dessus, il a exigé qu'on lui en donne une paire. On s'est un peu douté que 120 paires, c'était exagéré. Mais ça nous fait du bien d'être ensemble, de parler de vous. On papote et le tricot avance sans qu'on s'en aperçoive. Ah, heureusement que vous nous les avez envoyés, hein, ces chaussettes. Il fait un froid 15 degrés sous zéro. Tout gèle, la viande, le pain, même le vin dans les bidons. Et puis, dans la section d'à côté, il y a des tas de camarades qui ont été évacués à l'hôpital pour pieds gelés. Nous, malheureusement, ça risque pas de nous arriver. Nous avons cochette auvergnate. Pourtant, on aurait bien aimé aussi une petite évacuation. Ouais, quel rêve. L'hôpital. Oui. Enfin, pourriez-vous nous envoyer des cache-nus, s'il vous plaît? Assorti aux chaussettes. Bien sûr, on vous fait ça tout de suite. Élise, une dizaine suffira. Il ne te manque rien d'autre? Devine.
passe tellement rien que Victor a fait une lettre type à sa femme. Il lui a écrit « Tout va bien, je suis en bonne santé, Victor ». Il a demandé pour qu'on la lui duplique, comme ça il a moins à faire parce qu'il n'aime pas écrire. Moi, même si j'avais écrit 100 fois la même chose, je préférais toujours le faire par écrit parce que pendant ce temps-là, oh, ma chère Élise, je pense à toi. C'est terrible, hein? Notre petite terre qui nous court tout le temps dans la tête comme ça. Quand j'étais petit, ma tante le jouait toujours au piano. Je crois que c'est pour ça que je t'ai aimé tout de suite. Beethoven. L'Académie a lancé une grande collecte pour vous. J'ai glissé des feuillets dans les bulletins et chacun pouvait donner ce qu'il voulait. Eh bien, tout le village a donné. Ça y est, il s'est enfin passé quelque chose il y a quelques jours. 3 jours, c'était Noël. Tout à coup, on voit apparaître au-dessus de la tranchée allemande un immense drapeau blanc et un Bosch qui se met à crier « Camarades, camarades !» Étienne traduit. Camarades, camarades. Vous, papa, nous, bavards prisonniers. On se méfie, puis Étienne s'avance et leur dit. Vous n'avez qu'à sortir les premiers, nous ne tirerons pas. Et les Allemands sont sortis. Nous aussi. Nous avons visité leur tranchée et la nôtre. Ils nous ont donné des cigares et du chocolat. Nous leur avons donné du vin. Et puis, Henri, notre colibri, a chanté des cantiques accompagné par un Allemand qui jouait de l'accordéon, de l'harmonica. Ici, l'inspecteur est venu m'apporter un joli cadeau.
Un gros colis avec des manuels d'histoire, des cartes de France toutes neuves et même des bandes dessinées de Bécassine. Oh, c'est chic! Oui, et comme j'allais les ranger, il m'a dit: vous comprenez que nous attendons un concours particulier de nos instituteurs. La guerre demande des efforts et c'est ici, à l'école, que s'en prépare le goût. J'étais surprise. Il tira un document de sa serviette. Les élèves doivent être éduqués dans l'amour de la patrie, comprendre en quoi notre culture et notre race sont supérieures. Vous trouverez dans ce document une série d'exercices destinés à semer en eux l'idéal national, le sens de la discipline, avec une attention particulière pour les figures glorieuses de l'histoire de France. Puis-je compter sur vous pour mettre ces dispositions en œuvre? Je promis d'examiner la note. Oh, il y a un reçu pour le colis. Malheureusement, il doit être signé par un homme. Pouvez-vous l'adresser à votre époux? Je n'ai pas reçu le reçu. Je ne te l'ai pas envoyé. Tu l'as signé à ma place? Bien sûr. Tu as bien fait. S'il n'est pas content, qu'il vienne reprendre son colis. Ah, nous allons changer de secteur. Les Allemands en ont marre que tout soit à l'arrêt. Ils préparent une offensive du côté de Verdun. Ce que je te dis là, c'est un secret. Les Allemands pensent que nous ne savons pas. Ils pensons qu'ils ne savent pas que nous savons. Il s'est produit un incident avec Louise. Elle rentrait du château. Elle marchait tranquillement sur le bord de la route quand André est passé en voiture. Il a proposé de la déposer. Elle est montée. Mais il a changé de direction. Il s'est arrêté près de la rivière. Elle a tout de suite compris où il voulait en venir. Elle a résisté. Il a voulu la forcer. Elle a mordu, a sauté de la voiture. André lui a lancé: ça fait rien. Tu finiras bien par céder. Nous cantonnons dans une école. Et un mur qui est tombé sur le bureau, ça m'a foutu le cafard. Je vois les visages tranquilles de mes petits élèves, s'il te plaît. Dis-leur bien la chance qu'ils ont d'être loin d'ici. Quand je pense à tous ceux qui ont quitté ce village, toutes ces familles, je me dis, mais quand elles vont revenir, ces familles, dans quel état elles vont retrouver leur maison en cendres, les portes enlevées, les parquets arrachés, les meubles brisés, la vaisselle en miettes, les matelas crevés, plus de poules, plus de canards, plus d'oies, plus de bétail, plus de chevaux, les arbres fruitiers coupés. Ah, il n'y a pas à dire, mais les gars du Nord et les Belges ont un sort encore bien plus tragique que nous. Tu as raison, ils sont courageux, les Belges. La mairie m'a demandé d'accueillir une famille de réfugiés. Les pauvres gens, voilà 2 ans qu'ils sont en route. Ils ont marché des centaines de kilomètres avec une charrette à bras sur laquelle ils transportent leurs bagages. Ils ont vécu ça et là, où on voulait bien d'eux. Ils sont de Charleroi. Ce n'est pas très loin de Dinan avec un T. Je les ai logés chez Bompas. Ils sont 3. Le père, la grand-mère et un garçon qui doit avoir l'âge d'Arthur. Retour en première ligne. En quel endroit, Élise, il n'arrête pas de pleuvoir. Nous barbotons dans 50 cm. Il n'y a pas moyen de faire sécher ma couverture. Plus de paille, plus d'endroit pour dormir. Je suis couché n'importe où. Je n'arrive pas à trouver le sommeil à cause des rats, il y en a partout. Ça me court dessus, j'en ai jamais vu autant. Je suis coincé entre la cartouchière d'Henri et le gros cul de Victor, qui aussi n'arrête pas de bouger à cause des rats et les poux. André est allé raconter que Louise lui avait fait des avances. Tu imagines les commentaires quand nous allons marcher? Comment Louise peut-elle tromper Paul, son mari, un défenseur de la patrie? Ajoute qu'elle est toujours sans nouvelles de Paul et tu auras une idée de l'état de ta sœur. Ah, nous sommes dans un secteur très dangereux. Ça pilote des 2 côtés à la fois. 1 but par seconde. Cette fois-ci, ça ne nous passe plus au-dessus de la tête. Voilà 20 jours que nous n'avons pas pris de repos. Les Boches nous ont pris. Le vent de tout moment, l'état-major nous a ordonné de tenir. Là, nous ne pouvons pas être en première ligne. Avec la trouche, toujours avec la pousse en allant à la soupe, en revenant, en allant se coucher, en bougeant, c'est affreux! Pour une journée sombre, c'est une journée sombre. Ma
Madame Aubert a perdu son second fils, Sébastien. Et Louise a aussi reçu un carton. Paul Morel, mort au champ d'honneur. C'est tout. Louise n'arrête pas de pleurer. J'avoue que j'ai bien du mal, moi aussi. Il y aura une messe conjointe pour Sébastien et Paul la semaine prochaine. Nous avons pris une tranchée aux Allemands. Il y en avait un qui agonisait dans la tranchée, une balle dans le ventre. C'était pas beau à voir. Nous sommes approchés avec Étienne. Il tendait la main. Je la lui ai prise. Il a murmuré certaines choses. Étienne a écouté. Puis il a commencé à fouiller l'Allemand. Il a trouvé une lettre sortie de sa poche. L'Allemand l'a vue, il a souri, puis il est mort. Étienne a ouvert l'enveloppe. Il m'a traduit. C'était une lettre que le Bosch envoyait à sa femme. Il la remerciait de lui avoir envoyé des chaussettes. Nous avons eu droit à une petite fête pour le 14 juillet. Louise et moi, nous n'avions pas la tête à ça. Mais les enfants se sont bien amusés. Je leur ai acheté des petits costumes. Camille est en infirmière et Arthur et Félicien ont voulu des uniformes de poilu pareils aux tiens. Arthur demande si tu pourrais leur envoyer des douilles et un casque allemand. Mon cher fils, dans le colis que je vous envoie, il y a 3 douilles. En ce qui concerne le casque, j'ai songé à une chose à laquelle je voudrais que tu réfléchisses. Qu'est-ce que tu penserais si un petit garçon allemand demandait à son papa de lui envoyer un casque français, que ce casque-là soit justement le mien, hein? J'ai eu une riche idée avec ces costumes, tu peux me croire, j'en tremble encore. Arthur et Félicien sont allés jouer chez Bompas. Félicien a trouvé des grands bâtons pour figurer des fusils. Le petit Belge était dans la cour, il a demandé à jouer avec eux. Arthur a décrété que le Belge allait jouer le rôle des Boches. Évidemment, le petit ne voulait pas. Là-dessus, ils se sont mis à l'insulter. Les Belges sont des nouilles. Si votre territoire est conquis, c'est parce que vous avez une armée de mauviettes. Le Belge a foncé sur Arthur. Félicien s'en est mêlé. Résultat, le Belge a un œil au beurre noir et une horrible estafilade. J'étais furieuse. Et j'étais honteuse. Arthur, j'attends que vous alliez vous excuser auprès des Belges. Toi et Félicien, tout de suite. Idiot, vous ne savez donc pas que sans les Belges, les Allemands seraient peut-être déjà dans notre village. Apprenez à vous taire! Honte sur toi, Arthur, et honte sur Félicien. Je vous jure qu'à ma prochaine permission, nous allons avoir une fameuse explication tous les trois. Tout ça ne serait pas arrivé si tu avais été là. Victoire, victoire, nous avons repris le fort de Douaumont. 9 mois pour reprendre 600 mètres. Arthur, essaie un peu de calculer combien de temps il nous faudrait à ce rythme-là pour bouter les Allemands hors de France. Ça va se chiffrer en siècles. Nous sommes revenus au cantonnement avec des prisonniers. Ils étaient couverts de boue, comme nous, affamés, assoiffés, comme nous, épuisés, comme nous. S'ils n'avaient pas eu leur casque, on les aurait pris pour nous. Enfin, tout va bien. Tout le monde est content. Il fait un temps superbe. Dans le ciel, il y a plein d'avions. C'est beau. Magnifique, même. Jean? Madame Martin, mon nom est Henri Pinson, je suis un ami de Jean. Votre époux a été blessé dans une attaque aérienne sur notre cantonnement ce matin. Il saignait beaucoup. Quand l'ambulance l'a emporté, il avait perdu connaissance. C'est mon voisin de Chambré qui écrit pour moi. Je suis à l'hôpital de Bar-le-Duc. Je reçois bien tes lettres. Je suis blessé au bras gauche et au visage. J'ai la tête toute.
suspendu, je ne vois plus rien du tout. J'ai obtenu les laissez-passer pour venir te voir. Non, je ne veux pas que tu me voies dans cet état-là, non. Je serai là mercredi. Nous sommes mercredi soir, je t'attendais, pourquoi t'es pas venu? Mais quelle histoire! Je fonce dans le train, je descends à Saint-Dizier. Un peu avant Bar-le-Duc, contrôle, je présente les laissez-passer. Discussion, palabre. On me dit qu'un soldat va m'accompagner. Nous marchons vers la ville et on aperçoit l'hôpital où tu te trouves. Et là, là, à deux rues de toi, second contrôle. Un officier prétend que les visites aux blessés ne sont pas permises. Ah, mais attendez, j'ai ces laissez-passer. Papier en tête de la République, signature cachet. Madame, veuillez retourner à Saint-Dizier. Mais bon sang, colonel, savez-vous d'où je viens? J'ai fait plus de 600 kilomètres pour voir mon mari. Je n'ai plus vu depuis 17 mois. Il n'a rien voulu entendre. Je ne reconnaissais plus. Je l'ai frappé. Élise, calme-toi. Je suis vivant, tu entends? Vivant. Aujourd'hui, on m'a enlevé mes bandages. Dire que j'en avais envie, hein, de l'hôpital. C'est une bonne blessure, pas trop grave, enfin, assez pour être évolué. Bon, eh ben, je l'ai. Je suis dans une salle paisible, entre des draps blancs sur un vrai matelas. Je suis soigné par des infirmières qui n'arrêtent pas de sourire. Et puis, je me suis lié d'amitié avec M. Mauvernet, tu sais, le monsieur qui t'a écrit mes lettres. Quand j'y voyais rien, qui m'a lu les tiennes. C'est un vieux professeur qui habitait sur la ligne de front. Il n'a pas voulu quitter sa maison. Il était touché aux jambes. Je n'arrive plus à dormir depuis ton accident. Je me réveille au milieu de la nuit. J'éprouve un besoin irrésistible d'aller voir les enfants. Ensuite, je me recouche. Mais je me retourne tout le temps. Je voudrais que tout ça finisse et que tu sois là. Avant, tu me manquais, mais... c'était supportable. Je me faisais une raison. Mais maintenant, c'est devenu atroce. Calme-toi, Élise. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'ai envoyé une bague. Je l'ai sculptée dans le cuivre d'un obus. Je me suis fait la main. Tu la porteras? Disputés, Louise et moi. C'était ridicule. Nous étions à table. Soudain, elle me dit qu'une usine engage des femmes pour fabriquer des munitions. J'ai cru qu'elle avait besoin d'argent. Non, ce n'est pas une question d'argent. Je veux les aider. Et aider qui? Les hommes. Les aider à quoi? À gagner la guerre. Mais enfin, Louise, tu ne vas pas fabriquer des obus? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils font eux, hein? Ils se battent, ils sont blessés, ils souffrent. Et ils meurent. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On tricote des chaussettes au coin du feu. Ben, enfin, Louise, ce n'est pas vrai, tu sais très bien. Nous nous battons. Nous nous battons tous les jours que Dieu fait. Nous éduquons nos enfants. Nous... À quoi bon? À quoi bon, Élise? Ah, pour qu'ils deviennent des soldats à leur tour, pour donner à la nation des fils qu'elle puisse sacrifier. Tu ne crois pas qu'avant de faire des enfants, il faudrait que tout ça finisse? Non, 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 non. Tu ne peux pas vouloir fabriquer des munitions. Les munitions servent à tuer des gens. Oui. Elle m'a répondu oui, d'une façon si terrible. Elle est partie ce matin. J'aime bien passer du temps avec Monsieur Mauvernet. Tu sais ce qu'il prétend? Que quelques paroles bien placées peuvent avoir plus de force que 10 millions de mots. Il imagine une organisation qui rassemblerait tous les pays d'Europe qui serait chargée
de régler les problèmes par la discussion. Ah, ce ne serait pas sans heurts, sans litige, ça prendrait peut-être un temps infini, mais d'après lui, ça vaudrait toujours mieux que cette tragédie dans laquelle nous nous traînons. Oh, Élise, pourrais-tu m'envoyer un carnet, s'il te plaît? Élise? Élise? Oui, je te demande pardon. Depuis le départ de Louise, je n'ai plus une minute. Je me lève avant l'aube, je me couche après 23 heures et ça ne suffit pas. L'école, les enfants, et maintenant la ferme. Bon pas est tombé d'une échelle. Ce n'est pas très grave, mais son pied ne cicatrise pas et ne peut pas faire le labour. J'ai commencé à le faire. Toi? Et qui d'autre? La cage de vache n'est pas trop difficile à tenir, mais le manche de la charrue est trop haut. Chaque fois que j'accroche une pierre, je le prends dans la poitrine ou dans la figure. Bah, il faut demander à l'académie de t'envoyer une suppléante. C'est fait. Mais par les temps qui courent, je ne me fais pas d'illusions. Cela dit, j'ai trouvé de l'aide. Madame Aubert. Non, les Belges. Le papa m'a vu peiner sur la charrue. Il est venu à ma rencontre. Il est comptable. Il est de très bonne volonté. Bon pas reste au bord du champ. Il nous donne des conseils. Nous ne parviendrons pas à tout cultiver, mais nous ferons notre mieux. En tout cas, bon pas est content. Au retour, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, je pensais pas qu'une femme pourrait charrier comme ça. Bonne année 1917. On les aura. Mais quand? Papa, nous te souhaitons une bonne année 1917. J'étais dessinée à l'hôpital. Autour du lit, c'est nous qui te rendons visite. Ton dessin est très joli, ma petite Camille. Oh, oui, je vois. La petite Jeanne, ta maman, Arthur, puis aussi une infirmière. Mais pourquoi toi, tu n'es pas sur le dessin? Parce que l'infirmière, c'est moi. Et quand je serai grande, je soignerai les papas. Oh, quel chouette début d'année. Ah oui, nous avons joué au football contre les convalescents allemands dans la cour de l'hôpital. Match nul. Ah, on était pas tendre, hein. Les Allemands nous insultaient, nous aussi. Mais personne ne risquait de mourir. Ça serait quand même plus sympathique, non? Si on pouvait régler tous nos problèmes sur un terrain de football. Je te remercie pour le petit carnet. J'ai commencé à écrire. Je suis passée au café hier soir. Tout le monde n'avait que le nom de Louise à la bouche. Une grève a eu lieu à l'usine de munitions. D'après le journal, Louise s'est mise à la tête d'un groupe de femmes qui s'insurgent contre les conditions de travail. La comtesse est furibonde. L'usine lui appartient. Elle ne comprend pas pourquoi de vilaines mégères arrêtent le travail pour poser des revendications. Elle prétend qu'en temps de guerre, tout ça n'est pas très patriote. Je vais t'envoyer le journal avec l'article sur ta sœur. Et dis-moi, c'est bien la mairie qui fait livrer le charbon à l'école? Ben oui, pourquoi? La livraison n'a pas eu lieu. Ils ont encore oublié, parle-en au maire. Oh, Élise. Merci pour le... Élise. Mais tu as vu les offres de paix de l'Allemagne dans le journal que tu m'as envoyé? Nous les avons lus et relus avec M. Mauvernet. Nous nous attendions à les trouver ridicules. Pas du tout, elles sont tout à fait raisonnables. Seulement, seront-elles discutées? Ce serait bien heureux parce qu'il paraîtrait que les Russes vont laisser tomber. Tu t'imagines ce que ça donnerait si les Allemands venaient à rappliquer toute leur force de ce côté-ci? Hein? J'ai vu, maire, il n'y a plus de charbon, ni ici, ni nulle part. On ne discute pas, on ne discute pas. Les propositions de paix de l'Allemagne sont tout à fait acceptables, mais on ne discute pas. Au contraire, nos généraux disent, ben, puisque les Allemands nous proposent la paix, c'est qu'ils sont à bout de force, à bout de souffle. Alors c'est le moment de les enfoncer, et vite. Enfin, monsieur Mauvernier dit que les Russes ont commencé la révolution et que maintenant, tout va s'effondrer. Je suis allée voir la comtesse. Je lui ai demandé quelques serres sur les bois du château pour remplacer le charbon. Elle a eu une petite moue. Du bois? Mais il neige. Comment voulez-vous le couper? J'ai répondu que je me débrouillerais.
Le bois ne se trouve pas gratis, surtout en ce moment. C'est la raison pour laquelle je me permets, Madame la Comtesse, de solliciter votre générosité. Le souci, voyez-vous, Madame l'institutrice, c'est que... Oh, où ai-je la tête? Vous n'êtes pas vraiment institutrice, n'est-ce pas? Vous n'êtes qu'auxiliaire. Le souci, voyez-vous, Madame l'auxiliaire, c'est que quand vous donnez quelque chose, les solliciteurs jaillissent de toutes parts. Votre conscience se félicite d'un bon geste, mais viennent ensuite le curé, la Croix-Rouge, les Belges, et puis les pauvres. Les nouvelles vont si vite dans un petit village. Et tu sais ce que je vais faire, Jean? Quand le charbon sera épuisé, je renverrai les élèves. Les Américains entrent en guerre, mais quand arriveront-ils? On nous dit déjà qu'on ne doit pas les attendre avant 2 ans. J'ai dû prendre Bomba à la maison. Son pied le fait trop souffrir. Il ne peut plus marcher. En allant chercher ses affaires à la ferme, je suis tombée sur les lettres que tu lui as adressées. J'en ai lu quelques-unes. Écoute-le. Je me suis mise à pleurer en découvrant ce que tu m'as caché. Lise. Les agonies, les ensevelissements, le gaz moutarde qui étouffe, et les camarades rendus fous par des bombardements. Je ne veux pas que tu m'épargnes, Jean. Ça m'a rendu triste. Je te demande pardon, Élise, mais ce que je vois est parfois tellement, tellement innommable. J'avais pas envie de t'accabler plus que ça. Ça aurait servi à quoi? Dis-moi, à quoi? Bomba n'est pas très optimiste. Le blé germe, mais nous ne l'avons pas bien semé. Il est en touffe ici, à côté il n'y en a pas du tout, et les interstices sont envahis par les mauvaises herbes. Les infirmiers ont emmené M. Montvernet. Je demande tous les jours de ses nouvelles, mais on refuse de m'en donner parce que je ne fais pas partie de sa famille. Moi, je partirai après-demain. Les médecins ont estimé que j'étais à nouveau apte. Et tu vas où? Rejoindre mon prestigieux régiment. Alors, elle est arrivée, la suppléante? Non, pas encore. Tu sais, c'est pratique hein, de revenir des blessures. Je fais quasiment rien, un peu de paperasse, de la cuisine. De la cuisine? Toi? Oui, et alors? Personne n'en meurt. J'ai retrouvé le colibri, toujours bon pied, bon oeil. Victor est là aussi, ils l'ont nommé sergent-major. Par contre, une mauvaise nouvelle, très mauvaise. Étienne a été gravement blessé, on a dû le ramener chez lui. Victor m'a dit que dans le cas où il était, c'était pas vraiment un cadeau. La comtesse nous a rendu visite. D'abord, j'ai cru qu'elle venait m'offrir du bois. Mais non. Elle venait avertir Bompa de l'augmentation du loyer. Il ne vous a pas échappé que tout augmente, mon cher. Le charbon, le bois, le blé. Vous allez vendre le blé plus cher. Il est logique que le loyer de mes fermages soit plus élevé. Bompa a essayé de lui expliquer la situation, les conditions dans lesquelles nous avions semé, les champs que nous avions dû laisser en friche. Elle ne voulait rien entendre. Bompa a eu un silence. Il a regardé droit dans les yeux. Puis il a demandé « Votre fils est parti à la guerre. » « Plaît-il ? » « André, votre fils, est-il parti à la guerre ?»« Mais non. Pourquoi me demandez-vous ça ?»« Je m'étonne qu'en 30 mois, personne n'ait songé à le dénoncer. »« Je n'avais jamais vu ton père comme ça. Il était de la plus haute cruauté avec une parfaite froideur. Il s'est tourné vers moi. « Élise, monte tes mains !» Et il a poussé mes mains sous le nez de la comtesse. « Voyez ?» Ces mains-là ont labouré. Elles ont semé. Demain, elles récolteront le blé du pain que vous mangerez. En même temps, ces mains s'épuisent à éduquer 3 enfants et à donner des leçons dans une école glacée. Vous êtes puissante, madame la comtesse. Vous êtes riche. Moi, je ne suis qu'un paysan, qu'un vieillard. Mais je ne vous crains pas. Prenez garde.
Je vais réfléchir. Élise, combien de bois vous faudrait-il pour l'école? Nous sommes au chemin d'Idam. On prépare une offensive comme on n'en a jamais vu. Je n'ai jamais vu un tel amoncellement de soldats, de canons. Oui, on prépare une offensive. J'ai eu tort de désespérer. La victoire n'est peut-être plus très loin. Jean, prends garde à ce que tu m'écris. Madame Aubert a reçu la visite des gendarmes parce que Émile mettait trop de détails dans ses lettres. Ne me parle que d'amour. De toute façon, ça vaut mieux que le reste. Et voilà! Et on est parti comme en 14! Vous avez perdu! On a gagné 5 km, mais on a perdu 300 000 hommes. Et toi? Moi? J'ai eu beaucoup de chance, voilà tout. De mon côté, ça va un peu mieux. Le Belge est très gentil, je l'aime bien. Il a appris à traire. Il m'a dit que je ne devais plus retourner tous les jours à la ferme. Il s'occupera des bêtes. Mais j'y retournerai quand même, parce que Bonpas est inquiet. Ah, notre nouveau lieutenant est un jeune garnement qui veut absolument se faire remarquer. Il y a 2 jours, il nous a ordonné d'aller arracher une pancarte qui se trouvait sur le parapet de la tranchée allemande sur laquelle il était écrit « Les Français n'ont pas de couilles ». Mon fils là-dessus, il faut traiter ça par le mépris. Non ! Nous devions absolument y aller. Et alors, Victor, notre sergent-major, il a regardé le petit lieutenant et lui a dit « Dis donc, toi, tu veux nous condamner à mort, hein ? T'as regardé le terrain ? T'as vu l'état des hommes qu'on a ici ? Tu ne vois pas que survivre est déjà un effort surhumain ? Et toi, tu veux nous envoyer au casse-pipe pour une pancarte ? Hey, nous n'irons pas ! Ouais, je sais, les ordres viennent d'en haut. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Que ces messieurs à galop viennent voir comment on vit ici, dans des trous infects pendant qu'ils se chauffent au coin de leur feu, en buvant du cognac, en fumant leur cigare. Allez, cours, va leur dire. Le petit lieutenant n'en revenait pas, il nous a regardés comme 2 ronds de flanc. Mais pas un de nous n'a bougé. Louise est de retour à la maison. Elle est terrible à voir. Elle a vieilli de 10 ans. Elle tousse, elle est jaune, ses cheveux verts. Le médecin de l'usine lui a dit que ça allait passer, qu'elle devait se reposer. Mais elle prétend, elle, que le maniement des poudres l'a empoisonnée. Tu sais, le lieutenant, la petite crapule à la pancarte, là, il nous a réveillé de bonne heure. La première chose qui m'a étonné, Victor n'est pas parmi nous. Il nous a dit de sortir. Parce que des généraux allaient arriver. On est sortis, on s'est mis en rectangle. Arrivent les officiers. Et puis Victor, les poignets liés dans le dos. On l'attache à un poteau. On lui lit un rapport, on lui bande les yeux. Et nous, ses amis, nous restons là. Les yeux écarquillés de l'impossible, les soldats chargés de cette maudite besogne mettent en joue feu. Et Victor s'effondre. Alors j'entends la voix du lieutenant qui crie « Soldat Martin !» Oui. Je te nomme sergent-major, tu prendras la place de Victor Bergol. À la nuit tombante, nous avons enterré Victor sur la tombe ouverte. Notre colibri a chanté et une croix rustique, son casque. Adieu, mon frère. Quarante quintaux. C'est beaucoup moins bien que d'habitude, mais Bonpas est aux anges. Et moi, ça m'a rendue fière de moissonner ce que j'avais semé. Et tu sais ce que j'ai inventé? Je porte un pantalon. Les enfants rient beaucoup. Ils m'appellent Monsieur Maman.
peuvent toujours rigoler. C'est beaucoup plus pratique pour les travaux des champs. Tu parles d'un carnaval. Clémenceau est venu nous rendre visite. Il nous a posé des questions. As-tu assez à manger? Oui. C'est normal, mais c'est la guerre, hein? Crois-tu en la victoire? A demandé, n'est-ce pas que vous commencez à trouver votre souffrance trop longue? Oui, c'était un petit oui, fragile, prononcé à peine, un peu comme si on voulait s'excuser. Oui, 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 ouais, c'est trop long, c'est trop dur. Nous devrions faire comme Victor, comme Louis, comme les Russes, avoir le culot de dénoncer tout ce mensonge. Louise ne va pas bien. Madame Aubert passe toutes les après-midi à son chevet. Elle brode. L'année 1918, on l'est. Papa, nous te souhaitons une bonne année 1918. Je n'ai pas eu le temps de te faire un dessin. Je fais l'infirmière à la maison parce que tante Louise est... Et très malade. Élise, je viens encore de recevoir une lettre de ma sœur qui nous demande si nous pourrions nous occuper de Félicien au cas où. Mais attends, dis-moi, est-elle vraiment si malade? Louise s'est éteinte sur la pointe des pieds. Comme une bougie se noie dans la cire au petit matin. Félicien était assis à côté d'elle. Il lui tenait la main. Entre deux quintes de toux, elle le caressait. Elle lui souriait d'un visage désolé, comme si elle s'excusait de prendre congé. Suffit-il pas que nous marchions à genoux? Courage, Louise, sois forte. Pour Félicien, pour nos enfants. L'enterrement a eu lieu sous une pluie battante. Tous les dieux de l'Auvergne pleuraient Louise. Après la messe, nous nous sommes retrouvés sous le porche. La comtesse s'est approchée de moi. Elle m'a embrassée avec chaleur. Elle m'a dit, la pauvre Louise, quand je pense qu'elle a été ma bonne, oh, je l'ai bien regrettée. Je ne suis plus le même. Je vois trop bien ce que Louise a été, ce que nous sommes, les numéros, les pions sur un échiquier, les éléments interchangeables dépourvus de personnalité. À quoi ça sert d'être épargné par les balles si la guerre détruit nos âmes? Hein? J'ai demandé au maire que le nom de Louise soit inscrit sur le monument aux morts. Il a souri, puis il a répondu... Mais enfin, Élise, êtes-vous bien raisonnable? C'était une femme. J'ai été convoqué par l'état-major à cause d'une lettre où j'incendiais les généraux. T'as pas pu la recevoir, elle était confisquée par le service de censure. Et je suis rentré et la lettre était là au milieu d'eux. Ils m'ont fait asseoir et ils m'ont assailli de questions. Ils m'ont demandé aussi de savoir ce que j'avais écrit. De lire ce que j'avais écrit dans mon carnet. J'ai songé à Louise, à Victor, et j'ai dit la vérité. J'ai jeté les costumes de poilu que j'avais offert à Félicien et à Arthur. Ça m'a pris d'un coup. Je sais que ça comptait pour eux, mais je ne pouvais plus les voir et je les ai jetés. La crapule de petit lieutenant a été déplacée depuis que nous avons Clémenceau aux affaires. Et général Pétain à l'armée, les choses changent. Elle bouge. Ouais. Les permissions sont rétablies. Je viendrai peut-être bientôt vous voir.
Quand? Ah, pas tout de suite, tout de suite, à cause de mon gras. Merci, hein, Victor. L'inspecteur est revenu à l'école. Il était sombre. Son chapeau, son habit, sa façon de froncer les sourcils. Madame Martin, pourquoi cette école n'a-t-elle pas envoyé d'argent lors de la dernière collecte? À vous dire la vérité, monsieur l'inspecteur, j'ai préféré en réaliser une autre. Une autre? Oui. D'ailleurs, les familles se sont montrées très généreuses. 312 francs. Nous les avons envoyés à une association de Clermont, une association pacifiste. Une association pacifiste? Prenez garde, madame Martin. L'académie ne peut fermer les yeux sur de telles insubordinations. Si vous persistez, elle vous révoquera. Mais qu'elle révoque, monsieur l'inspecteur? Qu'elle révoque? Je lui réclame une suppléante depuis 18 mois. Je gage qu'elle trouvera rapidement quelqu'un pour me remplacer. Je me suis trompé sur le compte des Américains. Ils s'y mettent, et vite. Et puis ils aiment la France, les Français. C'est à ne pas croire. Quelle surprise! La comtesse est dans ma classe. Je la présente aux élèves comme la généreuse personne à laquelle nous devons d'avoir chaud. Mais elle m'invite à la suivre dans le couloir. Et là, le visage plein de détresse, elle me dit avec fureur... C'est vous, n'est-ce pas? Ah, c'est vous! On a beau vous offrir du bois, vous abandonner les loyers, ça ne vous suffit pas? Pardonnez-moi, madame la comtesse, mais de quoi parlez-vous? Quelqu'un a dénoncé André! Oh. Mais ce n'est pas moi! Ce n'est pas moi, madame la comtesse, je le jure! André? Il vient d'arriver. Tu parles d'un hasard juste dans mon secteur. Ah, il me fait pitié. On voit qu'il a été élevé dans du coton. Il a soupé avec nous, mais il ne trouvait pas la nourriture à son goût. Alors le colibri lui a dit, hé, toile bleue, quand on a 3 années de tranchée, tu pourras parler en attendant. Mâche et tais-toi. Je vais m'occuper de lui, Élise. Et hier soir, je l'ai vu entretenir son fusil si j'interviens pas pour tirer une balle dans le menton. Je crois que c'est Bomba qui a dénoncé André. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Ce matin, je vois André. Il est au fond de la tranchée. Il est au fond de la tranchée. Il creuse. Je m'approche un peu. Je la mets autour des épaules. Tout à coup, il se met à sangloter. Comme un enfant. Je lui dis, André, c'est à cause de ce que t'as dit, colibri, hier soir, pendant le souper. Non. Tu as mal dormi, hein, oui, c'est ça. Tu vas voir, sans les premiers jours les plus difficiles, après, il fera. Tu verras, non, c'est pas ça. Puis, il m'a avoué qu'il était allé se dénoncer tout seul. Il a même pas d'être traité de couard, de lâche, de fils à maman. Il a voulu prouver qu'il était un homme. Tout seul, il est allé se dénoncer. Post-com. J'ai une permission, je serai là pour l'anniversaire de Jacques. Tu arrives quand? Le 11. 7. 8. 9. 10. 11. Jean, nous t'avons attendu à la gare, à Clermont. Je suis coincé à Paris à cause d'un déraillement. Je suis allé me promener sur les boulevards. C'est incroyable, on est à peine à 1 heure du front, les gens vivent ici comme si de rien n'était. En promenant, je suis passé devant l'Olympia, là j'ai entendu 2 personnes qui parlaient, il y en avait un qui disait « Non mais c'est incroyable, comment ne la gagne-t-il pas cette guerre? C'est du courage qu'il leur faudra, mais non, ils sont mous, mais mous, comme des éponges !» Quand il a vu que je le regardais, il s'est dit « Mais je voyais bien son regard. » Que je faisais partie du lot, c'est vrai ça, qu'est-ce que je faisais devant l'Olympia? Je venais sans doute réserver une place pour le spectacle du soir, c'est ça? Je suis instituteur, messieurs. Instituteur! La guerre, c'est pas un métier! En façade et décor comme des sapins, mais en réalité, tout le monde se moque de nous. La seule chose qui compte vraiment, Élise, c'est toi, ma chérie.
toi et nos enfants. Tu te fous de moi ? Qu'est-il ? Non mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous aviez tous ? J'arrive, je frappe à la porte, un petit Jeanne vient l'ouvrir, au lieu de se jeter dans mes bras, elle commence à crier « Maman, maman, il y a un monsieur !» Un monsieur ? Mais Jeanne, c'est moi, Jean, ton papa, même qu'on a le même prénom, pour que tu t'en souviennes, elle s'est mise à courir. Enfin, Élise, à quoi ça sert que je t'écrive, que je t'envoie des photos ? Ton enfant ne reconnaît pas son père ! Arthur n'est pas venu une seule fois sur mes genoux. Et Camille m'a appelé Jean au lieu de papa. Écoute. Et tu crois que je ne vois rien, ta petite robe trop courte? Depuis combien de temps tu t'habilles comme ça? Jean, cette robe, je l'ai achetée pour toi. Je suis désolée. Ah oui, désolée. Mais le belge, il n'avait pas l'air désolé du tout. Il avait l'air de bien aimer ta petite robe trop courte. Et la ferme de bon pas pour un peu, il m'en faisait faire le tour comme s'il était chez lui. Attends, tu crois que j'ai pas vu les œillards qu'il te lançait, les sourires que tu lui rendrais? Depuis combien de temps me mens-tu? Mais arrête! Ne me prends pas pour un AVC! Arrête! Comment oses-tu? Tu crois que j'ai le temps de penser à ça? Tu peux imaginer ce qu'est vivre sans jamais avoir un seul instant pour soi? Tout tenir à bout de bras et te dire à chaque instant que c'est impossible, que tu vas craquer? Mais ne pas le faire parce que tu ne peux pas, parce que tu dois tenir. Alors tu ne t'autorises même plus à penser. Les jours succèdent aux jours, tu ne vois plus que le travail et la fatigue. Moi aussi je souffre, mais je ne me plains pas pour ne pas te décourager. Je ne te demande pas de me remercier, encore moins de m'admirer, mais que tu ne trouves qu'à m'humilier. C'est trop pour moi. Jean. 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 Écris-moi. Un mot. Rien qu'un mot. Même une enveloppe vide. Tu sais, nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps. Jeanne ne t'a pas reconnu. Les enfants t'ont semblé lointains. Et tu as changé. Tu as maigri. Tu as des rides. Avec ta cicatrice au visage. Moi aussi, j'étais embarrassée. C'était pas grave. Quand la guerre sera finie, nous devrons simplement réapprendre à vivre ensemble. Je suis dans une tristesse depuis ton départ. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons. Je t'aime. Ne nous laisse pas sans nouvelles. Je t'en prie. Jean, si tu reçois cette lettre, sache que je n'en ai reçu aucune depuis ton départ. Cela fait maintenant 2 mois. Demain, j'irai à la mairie pour voir s'il n'y a rien. Comme chaque jour. Madame Martin, je m'appelle Henri Pinson. Jean m'appelait le colibri. J'ai la tristesse de vous annoncer sa mort. Je vous envoie ses lunettes, son carnet de notes. J'aimais Jean comme un frère.
Nous sommes montés à l'assaut. André courait à côté de moi, les Allemands ont tiré, j'ai poussé André pour qu'il se couche. En se relevant, il m'a simplement dit merci, puis il est parti. J'ai fait quelques pas. Une balle dans la cuisse. J'ai rampé jusqu'à un trou de but d'où je t'écris ces quelques mots. Je sais beaucoup, mais je sais qu'on viendra me chercher bientôt. Oh les gars! Et c'est moi! Jean Martin, votre sergent-major! Oh, je suis ici! Et Henri, mon colibri! Oh! Voilà une heure que j'appelle. Personne ne vient. Élise? Élise, j'ai froid. Je te demande pardon pour toute la peine que tu as pu éprouver par ma faute. Béni soit le ciel, ce jour où je t'ai rencontré. Ah là là, là. J'entends encore le piano. Et toi qui me dis? Je m'appelle Élise. Toi que j'aurais voulu rendre heureuse aussi longtemps, toujours. Prends bien soin des enfants. Tu es jeune encore, tu es belle. Si un jour tu rencontres un homme que tu aimes, qu'il soit digne de toi, bon pour les enfants, s'il te plaît. Épouse-le, s'il te plaît. Je t'aime.